Salut à toi. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas Effectivement, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo de review et je me suis dit que j'allais parler non pas d'un jeu de rôle, mais de deux jeux de rôle. Avec ce bouquin édité chez Sico, l'Empire de l'imaginaire, Gary Gigax et la création et l'invention et la naissance de Donjons et Dragons. Ce livre, c'est un livre qui est écrit par Michael Whitwer qui a été traduit en français donc aux éditions SICO, vous pouvez l'avoir en hardback mais également en format souple donc pour un peu moins cher hein, le format souple évidemment et c'est un, euh, un ouvrage en fait qui a été écrit par Michael Whitwer pour réussir à être un ouvrage de mémoire de thèse en fait donc il y a énormément de recherches qui a été fait et c'est une sorte de mélange entre une biographie de Gary Gygax donc euh, l'inventeur, le, le créateur de Donjons et Dragons et également une sorte d'explication de l'avenir du jeu de rôle à travers le prisme de TSR et du tout premier Donjons et Dragons. C'est-à-dire que Michael Whitwer va vraiment se poser la question de savoir vraiment l'origine de ce loisir et comment est-ce qu'il s'est développé, comment est-ce qu'il a évolué jusqu'à nos jours. Au niveau de la structure de l'ouvrage, c'est assez intéressant parce que, vu que c'est un ouvrage de recherche, vous allez avoir énormément de référencements sur des dialogues que Gary Gygax a eu avec d'autres membres de TSR, par exemple l'entreprise qui gérait Donjons et Dragons, sur des échanges téléphoniques, sur des envois de lettres, sur des interviews qu'il a eues. Et vous les avez à la toute fin, vous avez tout le référencement de ces, euh, ces éléments-là à la fin, si vous avez envie d'en de, de, savoir un peu plus. Donc chaque élément de dialogue, chaque élément euh, un peu précis, il y a la référence en fin d'ouvrage. L'ouvrage est divisé en à peu près 9 chapitres, qui correspond à 9 niveaux. Et c'est assez marrant parce que vraiment Michael Whitwer a voulu constituer cet ouvrage comme une sorte de progression d'un personnage dans Donjons et Dragons et ça fait vraiment un parallèle avec la vie de Gary Gygax qui gagne en expérience, qui gagne en sagesse et qui fait quand même pas mal d'erreurs aussi on va le voir par exemple j'ai appris qu'il était cocaïnoman à un moment de sa vie. Comme quoi hein, on fait tous des erreurs. Chaque bloc de chapitre en fait va être introduit par un système de dialogue qui représente un échange entre un maître de jeu et ses joueurs. Donc vraiment ça va nous, nous immerger finalement dans le loisir de Donjons et Dragons et par la suite, en fait, on va voir l'ordre chronologique de la vie de Gary Gygax, c'est-à-dire de sa jeunesse avec son père assez âgé, jusqu'à sa mort, et jusqu'à l'héritage, en fait, de Donjons et Dragons. Rapidement, si vous êtes curieux, que vous savez pas encore si vous voulez le lire, je peux vous raconter très rapidement ce dont ça parle. On a l'histoire donc d'un jeune Gary Gygax euh, qui euh, voit son père d'une cinquantaine d'années qui lui raconte des histoires de loups-garous, de dragons et de monstres, et finalement, ça va lui ouvrir son imaginaire. Il va rencontrer également les magazines Pulp, qui vont encore plus l'inviter à vouloir rentrer dans des univers de l'imaginaire avec des types qui ont des grosses épées à la Conan ou ben justement des univers un peu historiques qu'il va trouver dans le Wargame, qui était un loisir assez développé à cette époque, du moins vers l'Ac Geneva, il y avait une sorte de petite communauté qui s'était créée. De ce loisir-là, en fait, Arneson, un pote à lui qui venait jouer avec lui durant ses longues soirées de jeu, décide de se dire ben, pourquoi ne pas jouer un seul personnage et pas une troupe et c'est de là qu'est né donjon et dragon et le jeu de rôle à part entière ensuite on va voir l'évolution de tsr donc qui est la première entreprise de gary gygax qui voit la naissance de shane mail et également de donjon et dragon et comment gary gygax va progressivement se faire évincer de cette entreprise tout en créant d'autres jeux de rôle jusqu'à la fin de sa vie et en devenant une véritable icône du jeu de rôle comme on le connaît ce qui est super intéressant c'est que l'auteur ne se concentre pas uniquement sur la vie de gary gygax comme je vous l'ai dit il essaie de réfléchir sur les conséquences de chacun des choix par rapport à Donjons et Dragons et de ce que ça a amené. Par exemple, certains choix qui ont été faits sur la version 3.5 de Donjons et Dragons ont amené la naissance de Pathfinder chez Paizo. Mais également, par exemple, le fait qu'à un moment donné, Donjons et Dragons a eu une petite phase de mou à cause justement du départ de Gary Gygax et des choix qui étaient avant tout commerciaux et pas des choix qui étaient euh, liés à des fans du jeu de rôle en fait. C'est des personnes qui essaient de faire de la thune. Mais ben, ça a permis d'autres entreprises de jeu de rôle de naître, par exemple Chaosium. Donc vraiment, si vous vous intéressez aux loisir de jeu de rôle, c'est vraiment l'occasion de découvrir en fait comment il s'est développé en Amérique, aux USA principalement. D'un point de vue personnel, moi, je trouve que l'ouvrage était très bien écrit. C'est-à-dire qu'on a une bonne facilité de prise en main. De temps en temps, on peut se lire un chapitre euh, ou deux. Ce qui est super marrant aussi, c'est que c'est écrit assez gros, donc les chapitres sont assez courts. Et il y a des moments de dialogue et des moments presque de, comme si on était dans un documentaire vidéo. C'est-à-dire qu'on voit Gary Gagax sortir de son entreprise et se poser des questions. Mais on a son monologue intérieur, etc., raconté par l'auteur. Donc c'est vraiment immersif à savoir que c'est pas uniquement de l'extrapolation, hein, il se base vraiment sur des faits réels des éléments qu'il a récupérés. Concernant le physique de l'ouvrage, c'est-à-dire vraiment l'objet, je, je trouve qu'il est vraiment bien fait, pour vous dire. Je sais pas si vous voyez la, la couverture, voilà. À la, au même moment, en fait, j'ai eu envie de ressortir les vieux bouquins de Donjons et Dragons que j'avais, à 27 Donjons et Dragons. Et plusieurs fois je me suis trompé. C'est-à-dire plusieurs fois j'ai voulu prendre celui-là en, en voulant lire le bouquin 27 Donjons et Dragons parce que... L'illustration de base s'inspire énormément en fait des illustrations des vieux bouquins. On le voit avec une sorte de magicien au milieu avec des objets un peu disparates et même la police d'écriture qui ressemble vraiment à la police d'écriture de Advanced Donjons et Dragons. Point super intéressant, c'est que bon, évidemment le magicien c'est Gary Gaigax avec sa fameuse machine à écrire, mais que tous les objets que vous allez voir en fait sur la couverture à la fin de l'ouvrage, vous allez savoir pourquoi ils sont là. Par exemple, il y a du lait caillé, du lait fermenté dans un coin, il était vraiment fan de ça. Il y a également une petite boîte de conserve avec, euh, dans laquelle il mettait des petits bouts de papier qui euh, servaient à faire à générer finalement des chiffres aléatoires parce que à l'époque, c'était galère de trouver des dés. Et que le seul moyen d'en avoir, c'était de passer des commandes sur des personnes qui vendaient des dés pour des écoles, en fait, pour faire des maths ou des, des, des calculs de probabilité. Donc vous imaginez le délire. Mais aussi, ce qui est super marrant, c'est qu'il y a plein de petites anecdotes sur la vie de Gary Gygax et la création du jeu. Donc par exemple, le fait qu'avec son ami, quand il était jeune, ils ont exploré un vieil asile complètement désaffecté et que c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'explorer des donjons et des grottes. Mais également, par exemple, qu'un soir, sa femme, il passait tellement de temps avec ses amis à faire du wargame que sa femme a cru qu'il le trompait. Du coup, euh, elle est allée voir directement l'endroit où soi-disant il était, et elle s'est dit non mais c'est sûr il est avec une femme, et elle l'a trouvé dans un sous-sol en train de déplacer des petites figurines. Je ne sais pas ce qui est le mieux, si, euh, si c'était de la tromper ou de passer ses soirées à jouer à des jeux de, des jeux de figurines, mais c'est assez marrant de voir un peu comment le caractère paradoxal de Gary Gax, entre un mec totalement génial qui passe sa vie dans des euh, jeux de rôle et des jeux de société, et un père de famille parfois absent euh, qui progressivement va prendre conscience de ses erreurs. Bref... En résumé, c'est un ouvrage vraiment que je vous conseille si vous êtes assez fan. En plus, il est bien réalisé. Il y a même par exemple un faux, une fausse carte de Donjons et Dragons à l'intérieur de la couverture qui ressemble finalement aux, aux, cartes, en, aux cartes bleues que vous avez notamment dans les, dans les vieux bouquins de Donjons et Dragons et qui représente en fait la géographie de lac Geneva, c'est-à-dire c'est l'endroit où Gary Gagax est né et finalement qu'il a quasiment jamais quitté. Vraiment donc je vous le conseille, c'est un ouvrage bien écrit, même le papier correspond finalement à l'ambiance de Donjons Dragons parce que c'est un papier qui correspond au papier des magazines pulp, c'est-à-dire un papier de mauvaise, enfin pas de mauvaise qualité parce qu'il est de bonne qualité là, mais qui correspond, qui ressemble au papier des magazines pulp que lisait Gary Gygax. Donc il y a tout qui est travaillé derrière, il y a vraiment une volonté de créer un, un objet qui est cohérent dans son ensemble. Bon vraiment si vous en foutez du, de l'histoire du jeu de rôle, ça sert à rien que vous le lisiez. Mais si vous êtes un peu curieux et que vous avez envie vraiment de pouvoir briller en soirée en racontant la vie de Gary Gagax, je vous le conseille, c'est un très bon ouvrage. Et bien, sur ce, je pense que je vais vous dire à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez des retours à me faire. Allez, ciao